ce travail par téléphone. J'étais un peu la hotline de M. Blackstone. Et il m'appelait, il me disait « Tiens, écoute, j'ai fait ça, j'ai composé ça, qu'est-ce que tu penses? On rajoute quoi là-dessus ?» Et on s'est rendu compte, en fait, par téléphone, qu'on arrivait déjà à faire avancer son projet, alors qu'il était dans sa pièce de répétition, et moi dans ma pièce de répétition chez moi, et on se passait des bonnes infos, et ça marchait bien. Ici, Philippe est derrière la console, on met l'ampli à fond, et là il se passe quelque chose, on peut travailler, on a du son, on a de la matière, quoi. Et ça c'est vraiment, c'est une fois de plus, le luxe il est là, parce que le son n'est pas du tout le même si on est sur un ampli à deux chez soi et on se dit « Ah tiens, tel morceau il est bien », si on est tout d'un coup, c'est comme un peintre, quoi. S'il a un petit pinceau, il va faire certaines choses, et si on lui donne une brosse de ça de large, tout d'un coup il va pouvoir faire « LAC !» Tout le temps lui, et donc il faut arriver à gérer tous ces appuis sur les interrupteurs divers et variés au pied ou taper sur les percus sur le côté. Il faut que tout coule et que ça paraisse naturel. Il faut qu'on sente que le musicien, en l'occurrence Monsieur Blackstone, il faut vraiment qu'on sente qu'il maîtrise son truc, qu'il arrive et qu'il fait bam, dadam, dam, et qu'à partir de là il nous emporte et à aucun moment on va se dire ah il appuie sur la pédale de delay, ah mais je crois que mon beau-frère en a une de pédale comme ça. Non, on s'en fiche. Nous, juste, on veut prendre la musique, l'émotion. La guitare hawaïenne, si on va vraiment, il utilise la guitare hawaïenne, il utilise la guitare à résonateur. Tous ces deux instruments ont des racines dans les années 20, dans les années pour la guitare à résonateur, la fin des années 20 aux États-Unis. Et pourtant, il nous fait de la musique moderne. Et ça, c'est intéressant de pas dire ah oui, mais la guitare hawaïenne, je vais te jouer un morceau hawaïen exactement comme sur le 78 tours qui a été enregistré en 1924. Non, lui, il est pas du tout là-dedans. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est moderne. Il met des pédales de distorsion sur tout ça et ça envoie. C'est aussi par défaut qu'on est arrivé à ce qu'on voit là. C'est parce que j'étais tout seul et que guitare voix c'est bien, mais il te manque un petit boum boum, un petit tic tic, un petit tchac tchac, un petit sample, quelque chose. Donc tout ça grandit et arrive à ça. Mais on va dire que ça a mis 2 ans à germer dans la tête. J'avais pas envie d'un réalisateur qui me dise oui là tu mets ta mèche à gauche ou là t'arrives et tu refais 4 pas avant. Je m'en fous de ça, hein. Je m'en fous. Je pense que tu fais ça des fois souvent pour cacher la misère ou pour les gens qui ont des trucs un petit peu plus théâtraux. Ça va très bien, il y a des gens, il leur faut ça. Moi j'en étais encore, j'en suis pas là. C'est pas que j'en suis pas là dans le sens, j'en suis pas encore là, mais moi je pensais que ce qu'on développe là était bien plus important que de savoir. Comment j'arrive sur scène, par la droite, par la gauche, avec quelle lumière, la poursuite, pas la poursuite, je m'en fous, c'est pas ma culture, je viens pas de là. Donc on a surtout travaillé, de ce côté-là, on a surtout travaillé au fait que j'arrête d'être dans ma petite bulle, dans mon monde, sur ma guitare, sur mes pédales, et que j'arrive à m'ouvrir un petit peu et chanter aux gens, plutôt que de me faire le morceau tout seul, de mon côté.